Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous allez de mieux en mieux. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. Je vous invite à vous abonner, comme à l'habitude, à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Allons à la rencontre de quel signe aujourd'hui, quel signe astrologique? Un élémentaire, air, eau, feu. Je vais fermer mes yeux. Allons à la rencontre, tiens donc, de celui-ci. La rencontre du signe de la balance. Signe d'air. Balance, signe d'air, quel est le message pour toi aujourd'hui? Comment te sens-tu aujourd'hui? Signe de la balance. Je t'invite à me rejoindre ici. Et à me partager, tes états. Comment ça va? Signe de la balance. Comment ça va aujourd'hui? Qu'as-tu à m'exprimer? Est-ce qu'on est bien connecté? Oui, on est bien connecté. Balance, signe d'air. Qu'as-tu à m'exprimer aujourd'hui, balance? Comment ça va? Comment te sens-tu? Balance. Ah, ben veillant. Excité aussi. Le bélier aussi est excité. Spécial, hein? Je viens juste de faire le bélier. Là, je les ai mêlés, là, les cartes. Ben, c'est le temps de sauter de joie. Ben oui, de faire des grands sourires. On est content. On est excité. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit. C'est cette émotion qui est présente dans l'air. Est-ce que j'ai besoin? Ben oui, je vais y aller avec une petite carte du jeu haut. On va voir. En tout cas, c'est cette émotion. On va voir ce que ça va nous dire. Pour le signe de la balance. Signe d'air. Wow! C'est le fun. Balance, signe d'air, qu'as-tu à m'exprimer? Balance, signe d'air. Oh! Hey, c'est-tu drôle? Le même mot que le signe du bélier. Hey, ça, c'est étrange. On a éliminé. C'était quelque chose de sage. On a mis fin ici à une trahison, peut-être. C'est pour cette raison qu'on est content, qu'on est tout excité. On a mis fin à quelque chose. Balance. Balance, balance. Je vais y aller avec une petite carte rose. Et on a fait un choix ici. Peut-être qu'on a été trahi, mais cette fois ici, on a agi d'une façon sage pour soi, pour soi-même. Je vais piger une petite carte ici du Bélium pour cette image, pour le signe de la balance. Signe d'air. J'aurais besoin... Oh, la fleur! Croissance, coup de cœur, naissance, renaissance. Joie. On veut de la joie dans notre vie, pas des tourments. On ne veut plus des tourments. Wow, c'est la carte de la fleur, de la beauté, les beaux sentiments. Tout renaît en soi, tout reprend vie. C'est comme l'énergie du printemps. Pour le signe de la balance. Les enfants, le cœur de l'enfant, le cœur des enfants. C'est comme si on avait repris contact avec notre enfant intérieur, notre joie. Notre spontanéité, la vie, on laisse notre enfant, on libère notre enfant intérieur. Notre enfant peut s'exprimer librement, de toute beauté. De toute beauté. On a éliminé ici quelque chose qui était malsain pour soi. En cette situation,
Ici, on se trahissait. Donnez-moi une minute, je vais avancer un peu là pour qu'on puisse voir. Oui. Ici, ce qu'on est en train de me dire, probablement, étant donné que c'est l'énergie du coup de poignard dans le dos, trahison, tout ça, on a éliminé la trahison. Là, ici, on me parle de fidélité. Il y a un respect ici de nos émotions, l'enfant intérieur. On se respecte, on veut être en joie et on a pris les décisions, et on agit en le sens de ce qui nous fait du bien. Bravo! Mais on est en train de renaître à la joie. Le cœur de l'enfant retrouvé. On a éliminé quelque chose qui était abusif, possiblement ici, de malsain, de toxique pour soi. Bien, on a raison de sauter de joie ici. C'est la joie. Balance. Signe d'air. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Avec l'oracle de l'âme intuitive. Les enfants. Les enfants! Incroyable. Amour universel, pureté, innocence. Et prendre soin de l'enfant, de notre enfant. Oh, c'est de toute beauté. Je vais vous lire le message pour terminer de la carte Les enfants pour le signe de la balance. L'innocence de l'enfant est pure. Mais nous imprégnons sur eux nos pensées et nos sentiments tout au long de la vie. Nous partageons notre savoir avec les enfants et nous les aidons dans leur cheminement. Si nous les éduquons bien, ils nous ouvriront la voie à leur tour. Nous en prenons soin, et en retour, ils nous donnent l'amour inconditionnel dont nous avons tous besoin. Réfléchissons à ce que nous partageons avec nos enfants. Ont-ils besoin de tout savoir en bas âge, ou devrions-nous leur permettre d'honorer leur enfance et leur laisser la liberté de jouer, comme nous le méritons tous? Prenez le temps d'honorer l'enfant en vous. Retournez à l'innocence pure de l'enfant. Voyez le monde à travers les yeux d'un enfant. Tout y est très simple, très pur, au-delà des apparences. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause pour le signe de la balance et je vous souhaite une excellente journée.